monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le colis d'été Custo Déco pour le mois de juillet. Enfin, moi je suis en décalé, donc le mois honnêtement, voilà. Donc je vais vous proposer donc les produits que j'ai reçus. Toujours la feuille de remerciement et le petit cadeau. Donc cette fois-ci, donc ce ne sont pas ceux-là, mais ceux-là. Et je préfère largement les dots aux demi-perles. Donc je suis ravie. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Ouais, je vais vous montrer. Donc déjà pour commencer, j'ai pris ce stylo à paillettes. Donc là, on est dans les nouveautés. Si je vous le fais sur du blanc, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. Donc c'est de la marque Zig, Wink of Stella. Et j'aurais dû préparer un papier noir. Alors je vais faire le test histoire de dire, mais vu que là je suis en lumière naturelle, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors faut enlever hop, cette petite chose. C'est des paillettes argentées. On push. T'es pas descendu au bon endroit, toi. Bah là, je viens de perdre beaucoup de produits. C'est argent? Ouais. Hop. Bah, du coup, vu ce que je viens de faire comme bêtise, vous voyez. Mais je dirais pas que c'est argent. Enfin, là, à la lumière que je vois, je dirais plus que c'est champagne. Vous voyez une grosse tache. Mais à voir en séchant. Mais je dirais que c'est couleur champagne. Est-ce que c'est dit là-dessus? Non, mais ça me semble bizarre que ce soit couleur champagne. Généralement, c'est doré ou argenté. Ou alors c'est doré, du coup. Bref, moi, ce genre de petites choses, j'aime beaucoup. Ça fait un petit truc en plus. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ceci. Oh, mais j'ai pas ma poubelle à côté de moi. Hop. Attendez, que je vous donne les dimensions. Il fait 11 cm comme ça. 9 cm au plus haut et 3 cm comme ça. Et en fait, vous mettez ça dedans. Voilà. Et ça vous fait un micro-vase. Voilà. Donc j'ai pris ça. On va faire la petite déco. Je vais mettre ça sur le côté. J'aime pas ne pas avoir ma poubelle à recycler ici. Ensuite, j'ai pris ceci, dimension, je crois qu'on est sur du 15 par 15, 15,5, 15,5 par 9,9, j'ai hâte de le faire ça, on est d'accord, hein. Bah oui, ça c'est pareil, en fait je l'ai pris parce que je me suis dit que ça pourrait être pratique, moi parfois je me mets... devant la télé, sur ma table basse, parce qu'elle se relève. Et du coup, quand je fais des petites colorisations de tamponnage et tout, je me dis que bah, je mets tous mes crayons là-dedans et ça peut être sympa. Donc, on va customiser ça. Alors, j'hésite à le peindre ou à le laisser en bois et simplement faire une petite déco dessus. Ensuite, là, on va complètement changer. C'est pas du scrap qu'il va y avoir, c'est de la bougie. Donc, j'ai pris. Quand j'ai vu qu'ils sortaient ça, Artemio, j'étais juste trop contente. Donc déjà, ce qui m'a plu, c'est que c'est toujours du 100% naturel. C'est pas de la paraffine ou je sais pas trop quoi, là. Là, on est sur de la cire de soja et de la cire d'abeille. J'ai pris les deux pour pouvoir tester. Je ne sais pas si la cire d'abeille aura une odeur. Et je ne sais pas si elle peut se teinter. La cire de soja, oui, puisque de toute façon, elle va devenir... Je sais pas si ça devient blanc ou transparent. Bah non, blanc, je pense. Mais moi je vais y mettre de la couleur et pour ça j'ai pris deux. Il y a le rose qui existe mais quand j'ai passé ma commande c'était plus dispo. Donc j'ai pris ces deux-ci, donc dans les tons marron et dans les tons violets. En fonction du dosage, vous allez avoir du plus clair au plus foncé. Moi le but étant d'avoir les deux couleurs les plus claires.
voire celle-là du milieu, pour celle-ci. Donc voilà. Et vous avez également orange et rouge ou jaune, je sais plus. Mais il y a quand même pas mal de choix au niveau couleur. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire parce que bah, j'aimerais bien peut-être mettre un petit parfum. Mais je sais que toutes les huiles ne sont pas possibles à faire chauffer puisque c'est quelque chose que je vais rajouter quand la paraffine... voilà, je dis des bêtises. Quand la cire en fait sera fondue. Donc toutes les huiles essentielles ne sont pas faites pour être chauffées. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Et donc pour ça, j'ai pris trois moules. Donc j'ai pris celui-ci. Je trouvais le rendu très joli. Mais vous allez voir que mon préféré, c'est le plus simple. Et en fait, c'est ça, je vais vous montrer après. Je suis désolée pour le bruit. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, il est quand même assez grand. Là, vous voyez bien le motif. Et du coup, ça va rendre ça. Enfin, ça va rendre ça. On verra si j'arrive à ce que ça rende ça. Et j'ai pris celui-ci. Et c'est celui-ci, mon préféré. Je trouve qu'il est très joli. Il est simple, mais je trouve qu'il fait son petit effet. Donc voilà, j'ai pris ça. Et donc oui, attendez, je vais en ouvrir un. Donc pour info, tous les moules n'ont pas la place, enfin n'ont pas de trou pour mettre les mèches. Et sur le coup, je me disais, bah, c'est pas logique, il faut un trou. Et en fait, il faut prendre, j'avais vu sur une vidéo, parce que du coup, je cherchais quand même le truc, tout simplement un pic à brochette ou à voir si avec ce genre de pic... Ça peut fonctionner, mais bah, vous le percez comme ça, et après bah, vous y glissez votre mèche, et après, clac. Franchement, j'ai trop hâte de tester les bougies. Quand j'ai vu honnêtement qu'Artemio se lançait là-dedans, je me suis dit, oh là 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 là. Alors, il y a d'autres moules qui existent, vous avez des cœurs, vous avez des visages, vous en avez d'autres, vous avez des mèches différentes. Moi, j'en ai pris deux sortes, je vais vous les montrer après. Et plusieurs couleurs, donc je trouve ça vraiment cool. Et donc moi j'ai pris deux types de mèches. Alors j'aurais pu en prendre trois pour avoir les trois tailles différentes, mais je me suis dit que celle-ci, bah j'allais les couper pour celui-ci plutôt que d'acheter et acheter. Dans cinq paquets vous avez cinq mèches et du coup en fait celui-ci, ce sera pour lui parce qu'en fait lui, oh, il va pas jusqu'en haut. Enfin, jusqu'en bas, parce qu'on remplit par là. Il va pas jusque-là. Donc, celle-ci, elle est assez grande. Donc, j'ai pris les 15 cm et les 8 cm. Et vous avez une taille intermédiaire à cela. J'ai pris également la petite cuillère pour mélanger. Et j'ai pris le truc pour centrer les mèches. Donc, ça va être plus pour cela. Donc ça, ben normalement, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Après, c'est pareil, il y a les moules, mais vous pouvez faire par exemple dans un photophore. Et ben, là, vous le posez dessus et comme ça va vous permettre de centrer. Vous pouvez aller jusqu'à 3 mèches. Non, c'est bizarre. Enfin bref, c'est pour centrer. Voilà. Oh, je m'excuse si vous m'entendez bâiller, mais je pensais pas être fatiguée. Comme quoi. Et donc j'ai pris la cuillère pour mélanger tout ça. Et j'ai pris le bol. Donc, il y a une capacité de 600 millilitres. Et il fait 28 cm et 15,5. Hein? Non. Il fait 28 cm. Ça fait pas 15,5. Attendez. Je ne comprends pas un truc. Ça doit être les flèches que je comprends pas. Ça fait 14,5. Des extrémités. Bref, vous avez une contenance de 600 millilitres, quoi. Et d'ailleurs, chose que je ne vous ai pas dit, dans chaque paquet, vous avez 225 grammes de cire. Je ne sais absolument pas combien je peux faire de bougies avec un paquet, combien je peux faire de bougies avec un petit sachet comme ça. Vu que moi, je veux la plus claire, je me dis que bah, je devrais pouvoir en faire pas mal, je pense. Et donc après, je me suis lâchée sur les encres. Ils ont rentrer plein 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 d'encre Versafine Clair. Pour ma part, Versafine Clair, c'est vraiment l'une des meilleures encres. Donc quand j'ai vu toutes les couleurs, parce que moi Versafine Clair, je n'ai que... Oh, attendez, je veux pas vous mentir, mais j'en ai deux, je crois.
Ah ben voilà, j'ai menti. J'en ai trois. J'ai la grise, la noire et la crépuscule. Celle-ci, la bleu marine. Et ils font beaucoup plus de couleurs que la simple vert saffine. Donc j'ai pris des couleurs qui peuvent, je pense, se matcher ensemble. J'ai pris ces deux-ci. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on a la baby pink, rose bébé et la rose aubépine. Je pense que ça peut faire un très beau combo. Ensuite, j'ai pris la Very Peri et la Arctic. Alors, pour moi, ça peut aller ensemble. À voir en tamponnant si on n'est pas plus sur du parme. Et après, j'ai pris, pas des combos pour moi, j'ai pris la Fleur de Lilas. Donc là, on a du parme. Et ensuite, j'ai pris l'avocado. Alors, l'avocado, je l'ai pris pourquoi? Parce que j'aime les avocats. Voilà, c'est ma raison pour laquelle je l'ai pris. Et du coup, je me suis dit, comme le haul est fini, je vais vous faire des swatchs d'encre. Je déballe tout ça et je vous montre le résultat. Alors, du coup, je vais simplement swatcher. On a ça sur le tampon. Oh, très joli. Très, très joli. J'aime beaucoup. Celle-là, je pense qu'elle est belle. Ça me fait penser un peu à... Non, pas un vieux rose. Un magenta, quoi. Ouais. Très joli. Alors, je pense que l'image n'est pas très représentative de la couleur. Ou alors, il faut laisser sécher. Donc là, c'est la rose aubépine. Ensuite, on a la arctique. Donc, on va voir si elle va avec l'autre d'en dessous. Oh, elle est belle. Donc, celle-ci. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Eh ben si. On est plus sur un bleu. Enfin, moi je trouve. Ça contraste bien pour l'instant tout ça. Et après j'ai. Il n'y a pas de combo. Oh, elle est belle. Je vous jure, j'ai un problème avec le violet actuellement, vraiment. Donc elle, c'est fleur de lilas. Et là, c'est avocat. Bah, écoutez, c'est des belles couleurs. Hein. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien vert saffine clair parce que franchement on peut tamponner des mots et tout. Et tout. Le résultat sera toujours nickel. Et il propose beaucoup plus de choix de couleurs que vert saffine. Tout simplement. Donc non, je suis ravie de ce résultat. Il y a d'autres couleurs, hein, j'ai pas tout pris. Mais il y a plein plein d'autres couleurs. J'essaie de vous centrer, je sais pas ce que j'ai moi, mais j'arrive pas à centrer. Mais il y a plein d'autres couleurs. Vous avez, je crois, du marron, du rouge, je crois. Mais à vérifier parce que je sais plus. Et donc voilà. Sur ce, eh bien, la vidéo est terminée. Toujours mon code promo, c'est Lulu Scrap pour 40 euros d'achat. Ça vous fait gagner 5 euros. Frais de port offerts. Et donc pour l'instant, je ne reprends pas les vidéos. Peut-être bientôt à voir. Et puis, je vous mets dans la barre d'infos. Vous avez toujours mon Instagram. C'est là où je poste du coup les créations pour Custo Déco. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!